Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge en compagnie de David. Hello. Et aujourd'hui il s'agit du Lipton Iced Tea Challenge. Du coup je me suis procuré les 9 parfums de Lipton Iced Tea vu que vous avez été très nombreux à me demander cette marque. Et on va goûter chacun notre tour à l'aveugle les 9 bouteilles. Le pêche abricot, ça va être le méga feu. Et on va essayer de deviner les parfums du coup de ces différents Lipton Iced Tea. Donc j'espère que ça vous plaît, que le concept vous fait plaisir. Donc j'ai le petit bandeau, enfin la petite écharpe noire pour se bander les yeux. Et on va commencer par toi du coup, c'est moi qui vais lui servir. On dit les 9 parfums en jaune peut-être avant. Alors on va vous dire les 9 parfums. Donc framboise. Framboise, pêche abricot. Citron vert. Iced tea pêche. Citron vermont je veux dire. Pêche, tropical. On a aussi green iced tea, litchi jasmin. Citron vert, on a pêche poire. Je savais même pas que ça existait. Et pour finir, pêche fraise. Je savais même pas que ça existait non plus. Donc voilà, c'est vraiment. Y a beaucoup de parfums différents. Donc j'espère qu'on va en trouver un maximum, que je vais gagner comme d'habitude, ça serait cool. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc on va servir ça dans un verre parce que comme on est à l'aveugle, ça va pas être évident de boire comme ça directement. Du coup, allez, on va commencer par celui-là. T'es prêt, mon amour? Est-ce que tu as hâte de boire le iced tea? Ouais. Ok, du coup, allez, c'est parti, vas-y. Le verre est là. Donc je t'en ai mis un tout petit peu pour pas trop que ça soit... C'est quoi ça? Ça va, je t'en ai mis assez ou... Mais attends frère, y a rien dans le verre. Bah ok, là. Mais je sais pas, parce que t'es horrible. Mais non, pas non plus énormément, mais un petit peu quoi. Mais là j'ai même pas... J'en ai mis un petit J'ai même pas senti le goût. Ça commence déjà à tricher. Ok, voilà, là je t'en ai mis un peu plus. Normalement, ça devrait être pas mal. Alors, du coup, je vais servir celui-là. Je vous montre. Celui-ci. Alors, une idée? Jasmin, non? Donc, tu penses à celui litchi jasmin thé vert, c'est ça? Un truc comme ça? Ouais. Attends, je regarde le nom exact. Eh ben non, ce n'est pas ça. Ah non, c'est bon, je sais que c'est le assis normal. Eh ben non! Voilà, bon, deux essais, tu t'es trompé, c'était le tropical. Voilà, donc tu t'es trompé, mon amour. Ouais. Et oui, c'était le tropical. Moi, je le connaissais, celui-là. Mais moi, je suis pas spécialiste en Lipton Iced Tea. Allez, du coup. Hop, je finis de boire. Mais toi, c'est une tricheuse, t'as déjà goûté plein de trucs. La dernière goutte pour pas. Mais elle boit ça depuis toute sa vie. Mais non, mais moi, je bois le Iced Tea Pêche et le Framboise. Mais les autres, je ne les bois pas souvent. Du coup, le prochain, vas-y. C'est lequel, celui-là, t'as dit? C'était le tropical. Oh la vache. Alors maintenant, je lui sers celui-là. Hop. Alors, dis-moi tout. Hein? C'est pas facile, hein? C'est pas évident. Alors? Bubblegum, ça n'existe pas, on est bien d'accord. Non, ça n'existe pas, non. Ça n'existe pas. Pêche fraise. Tu la connais pas, celle-là. Pêche fraise ou jasmin? Du coup, t'as droit à deux possibilités. Donc, dis en deux. Non, une chance. On fait une seule possibilité. J'hésite. Toi, ça va être trop facile sinon. Mais ça va être trop facile pour toi sinon. Pourquoi pour moi, ce serait facile? Bah, vas-y, alors dis-moi une seule possibilité pour toi. C'était pour t'aider, hein. T'as hâte de sentir ça comme ça. Alors? Bon, faut donner une réponse là, mon amour. Jasmin. Donc, tu dis green iced tea, litchi, jasmin. Ah non, pas litchi, non, pas litchi. C'est... Non, le truc jasmin, c'est litchi, jasmin. Ouais, donc non, ça n'a pas le goût de pêche fraise. C'est ton dernier mot? Ouais, je pense. Sûr? Ouais. Ah bah, c'était litchi, jasmin. Ah, c'est bon, toi, non, je l'ai dit. Bah oui, mais moi, non, je l'ai dit. Bah oui, mais je Mais non, mais c'est toi qui me fais hésiter comme Jean-Pierre, bah non, là. Attends, mais là, tu dis ça ou ça, tu es sûr? Non, tu hésites. Alors, je répète, pêche. Non, mais tu mets trop le doute. Arrête un petit peu là. Attends, j'ai dit jasmin, tu m'as dit, t'es sûr que c'est bien litchi jasmin? Non. On m'accorde ce point. Et tu arrêtes de négocier. Non, mais bon, déjà tu vas te calmer, t'as perdu. Non, arrête de négocier. En plus, moi, je suis mais gentil. Non, mais attendez, vous connaissez ce genre de personne qui vous fait hésiter jusqu'au bout? Moi, je te donne deux possibilités en plus, parce que t'avais dit litchi jasmin, je me suis dit comme ça. Attends, mais c'est une escroquerie. Non. Bon, allez, le suivant. Non, un point bon. Non. Mais arrête de dire tes trucs là. Non. On verra à la fin. Non, on verra pas à la fin. On verra selon ton nombre de points. Arrête de tricher. Allez, arrête de tricher. Je triche pas. Arrête de tricher. Peut-être tu donnes la bonne réponse. T'arrêtes d'être de mauvaise foi là. On dirait moi et un jour au casino, t'es sûr? Ouais, t'arrêtes d'être de mauvaise foi. Allez, c'est parti. Le troisième. C'est celui-là. Très original. Alors. C'est quoi ce truc? Ça, je pense que tu l'as jamais goûté non plus. Ah, ça a un goût de quoi un peu? De menthe un peu.
De menthe. De poire. De poire. Ouais. Dernier mot, pêche-poire. Eh ben, c'était pêche-abricot. C'était pêche-abricot, mon amour. Pour le moment, donne-moi ce verre. Pour le moment, on va dire que t'as un point. Allez, parce que t'avais plus ou moins celui de Litchi. C'est dur, c'est dur, c'est pas évident. Alors, on va passer à... On va passer... C'est lequel celui-là, pêche-abricot ? Là, c'était pêche-abricot. Bah, en fait, dans ma tête, je m'imagine des parfums et du coup, mon corps, il me le fait ressentir comme si c'était le bon parfum. Je te jure, j'ai senti de la menthe. Alors, du coup, on va passer à celui-là. Putain, ma langue, elle est bête. Elle est bête. Ok, du coup. Putain, tout celui-ci. Le sucre que j'avale à cause de toi, là. C'est bon, hein, mais bon. Alors. Putain, mais c'est mystique. Si c'est mystique, c'est pêche-poire sur la satin. Oui, bravo. Et ah là, c'est évident. Et de deux, sachant qu'au final, je t'ai compté le litchi parce que je suis gentille. Hein. Bah oui, tu m'as arnaqué. Je t'ai arnaqué, non mais n'importe quoi, toi. Ah putain, j'ai essayé d'ouvrir les yeux, ça m'a enfoncé mon œil. Ensuite, on passe à celui-ci. Ah la vache. Ah bah fais attention, hein. Alors attends, il faut que je l'ouvre. Hop. Celui-là, je pense que tu vas deviner facilement, à mon avis. Hop, voilà, tiens. Attention. Arrête de donner des indices, deviner facilement et tout. Je sais pas, je pense que c'est... À l'odeur, c'est facile de deviner, je trouve. Ok, trop bon. C'est quoi ? Citron vert. Citron vert, bravo ! Ah bah voilà, tu vois, tu t'en sors mieux là. Là, tu gères bien là. C'est bien, continue comme ça. Il reste, pour te dire, 4 parfums, ok ? Tu en as 3 de bons et 2 de mauvais. Ça va, au final, tu t'en sors bien. T'as mal commencé, tu vois. Après, j'ai été généreuse avec toi, je te l'ai accordé. Ok, alors celui-ci, à présent, hop ! Vas-y. Donc c'est celui-là. Hop. Oh la vache, c'est quoi ça? Ouh. C'est quoi ce truc? Sachant que la plupart des goûts, on les a jamais goûtés tous les deux. Hein. Même moi, hein, il a beau dire, moi j'ai pas goûté tous les duos par exemple, ah, j'avais jamais goûté. Mmh. Ouais, pêche-fraise. Pêche-fraise? Mmh. Eh ben c'est ça, bravo! J'hésitais de ouf. Franchement, t'es fort là. Hein. Ouais, mais là, je sais plus les parfums qui restent du coup. Ah bah ouais hein. Il reste quoi comme parfum? Allez, on passe à celui-ci. Bah attends, je sais plus les parfums qui restent. Je vais pas te dire, tu rigoles ou quoi? T'es même pas censé les connaître les parfums, t'es censé deviner juste avec le goût. Tiens. Non mais là là. Alors, celui-là, c'est l'avant-avant-dernier. Et c'est celui-ci. Attends, je veux juste savoir, est-ce qu'il y avait l'esti normal? L'esti normal? Oui, bien sûr. Ah ok. Alors ? Refais goûter seul. Refais goûter ! Oh là là, non mais il est pas relou lui, hein. Ok. Tu l'aimes bien celui-là, non ? Je sais pas. Tu sais pas. J'en sais rien justement, refais goûter. Passe le verre ! Bah, je te sers, non ? Je croyais que tu faisais des bêtises encore. Bah non, je te sers, calme-toi. Alors ? Arrête de rigoler ! Il y a une personne qui rigole à côté de nous, c'est pour ça. C'est l'esti normal, ça. C'est normal ? Ouais. Ah bah c'est ça, bravo, tu l'as eu, le normal. J'avais un doute, tu vois, il fallait que je regoute ce bruit. Allez, l'avant-dernier esti. J'ai la tête qui tourne, là. C'est parti, oh là là, non mais... Toujours plus, toujours plus. Ok, donc avant-dernier esti, c'est parti. Y'a quoi ? Hop, tiens. C'est un gros bruit. Y'a quoi, je dis avant-dernier Lipton esti. Oula. Ce truc. Oh là ! Qu'est-ce que t'as fait ? Quoi, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait, je t'ai donné le truc tel quel, hein. Il y a des témoins. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses de celui-là ? C'est pas mon préféré, ça. C'est pas ton préféré ? Non. Ouais, ça m'étonne pas. Non. Alors, du coup... Ah, là, le dos, ça c'est de la menthe, hein. Pêche-menthe, hein, ouais, c'est un truc comme ça, hein. Pêche-menthe ? Ah, la menthe, quoi, le citron-menthe, je dirais. Citron-menthe. Eh ben c'est ça, citron vert menthe. Et si, t'aimes pas trop, c'est il parce est bizarre. Que c'est du thé vert, tu sais, c'est green iced tea. Donc c'est pour ça que tu aimes moins, parce que t'aimes moins le thé vert que le Non, le thé vert, j'aime bien, en plus ça fait maigrir le thé vert. Ouais. Oui, mais c'est là, c'est la menthe. En soi, c'est pas ton préféré, quoi. C'est la menthe. Ok, bah du coup, mais là, franchement, je vais te désaccorder le litchi, hein, parce que quoi au final, bah ouais. Quoi bah ouais, non mais t'as quasiment tout trouvé. Fallait assumer, fallait dire non dès le début, tu m'as bah, dit oui. J'ai dit non. J'ai dit non, après j'avais un parfum là. Ouais, c'est non, le mais dernier. Je me rappelle plus lequel qui manque. Allez, le dernier, c'est celui-là. Ah, mais je me rappelle plus. Vas-y, je pense que tu vas trouver facilement.
Pourquoi tu tousses? Parce que j'avais de travers. C'est celui-là. Ouais, framboise. Voilà, framboise, celui-là, c'est celui qu'on a tout le temps à la maison et c'est notre préféré. Du coup, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre iced tea préféré si vous en avez un préféré. Moi, personnellement, c'est combien de points? Framboise. Bah, du coup, il y a tout ça, mais moi, je trouve que je devrais pas t'accorder le green. Mais j'avais dit le litchi, bon, ouais, voilà. Mais je trouve que, voilà. Bon, ça fait 6 points. Il est en stand-by, quoi. 6 points, quoi. Voilà. 6 points sur 9. Attends, non, j'ai 7 points. 6 ou 7. 6 ou 7, ouais. 6 ou 7. Ok. Moi, je pense que je devrais me l'accorder, mais bon. Donc, du coup, c'est à moi. Alors, attends. J'aime pas que les gens ils te font hésiter comme ça. T'as la bonne réponse, non, non, mais bon, arrête. Je t'ai juste de vouloir sous les airs jaunes. C'est comme les croupiers cassés. Bah, non, mais, sûr, monsieur, non, mais en plus, quand je t'ai demandé, c'était ton dernier mot, c'est quand tu t'étais trompé. Hein. Vous êtes sûr de bien pour vouloir mettre 500 arrête, euros arrête, sur le 6. Je voulais t'aider, je te proposais même deux propositions. Donc, arrête le croupier, il est chiant, quoi. Tu peux m'attacher, s'il te plaît? Je suis un peu nulle, moi, pour ça. Ah, je vais avoir une tête. Mais tu fais quoi, là? Tu attaches au-dessus de ma tête? Vas-y, serre. Je vais faire mieux avec tes cheveux. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, les gars! Ok. Let's go! Avec... celui-là! Bon, j'ai sûrement une tête absolument horrible, mais c'est pas grave. Let's go! Vas-y. Attention à pas renverser partout, hein. Let's go! Tropical. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ok. Mais elle a bu ça toute sa vie! Non, non, tropical, non! Peut-être qu'on me l'a, on l'a acheté une fois histoire que je goûte. Mais le tropical, c'est vrai que je le connais pas très bien. Comment ça déprime là, 400? Bah attends, il y en a plein que je connais pas, hein! Tous les greens, je les connais pas. Tous les duos, je les connais pas. Donc ça va être compliqué pour moi. Let's go! Allez, le deuxième. Là, c'est celui-là. Pêche abricot. C'est ça? C'est ça ou pas? Ouais, c'était le duo pêche abricot. Mais, on mais quoi, dit... duo? Bah oui, c'est un duo, mais je dis deux goûts, bien sûr. Mauvaise foi, bah. Mmh, ah oui, on sent bien. Le goût d'abricot derrière, on le sent bien. Mais j'aurais hésité à dire pêche normale, mais on sent un petit arrière-goût d'abricot et du coup, ça m'a fait pencher sur le pêche abricot. Franchement, les gars, ça sent la défaite, hein. Dans son biberon, il y avait de l'ice tea, il y avait du Lipton ice tea. C'était pas du lait. Pas facile, sûr. Par contre, tu m'en mets un peu trop, hein. C'est le pêche. Mais tu m'en mets trop, hein. Mets-en moins, hein. Là, après... Là, pour le moment, j'ai soif, mais après, j'aurais plus soif, là, avec tout ça. Suivant. J'en ai combien de bras, là? Déjà 3, hein, c'est ça? Ouais. Tiens, bon, celui-là. Ah, ça, ça va être un green, je pense. Green au litchi. Faux! Oh, merde. Bim, mon gars! C'est quoi? Je te le dirai pas comme ça. Bah non, 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 non! Non, non, tu me dis, attends, tu rigoles ou quoi? Ça, c'était le citron lemon. C'est vrai? Non. C'est quoi? Bah dis-moi! C'était le pêche fraise. C'est vrai? Oui. Non, mais tu... Oui! Ok, pêche fraise. Mais non, mais ça donne trop de repères, quoi. Tu... Pêche-fraise. Ah oui, oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, ça a un goût de fraise. T'as raison. Yeah, mag. Mince. Yeah, yeah. Mince, 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 mince. Allez, suivant. Putain, pêche-fraise, j'aurais dû le savoir. Yeah. Mais il était pas facile. Ça sent la défaite. Il était pas facile. C'est bon? Voici votre Lipton. Alors, oula, poire, direct. Lipton. Direct. Goûte déjà et puis on verra. Parce que je pense que tu dis un peu des bêtises. Poire. Bah non. Le duo poire. Non. Non mais bon, c'est ça. Pêche poire. Mais oui, le duo pêche poire. Mais tu as dit que poire. Non mais je le sais, bon, mais il n'y a pas d'autre goût avec poire. Tu sais très bien de quoi je parle. Arrête un peu tes bêtises. Bah non, mais faut être précis dans ses réponses. Non, j'avais raison. Pêche poire. Bon, ok. Pêche poire. Ah, 0,5. Non, mais... Arrête. Hâte de tricher, hein. Ok, ah, franchement, le poire. On le sent, mais même sans boire, tu sais que c'est pêche-poire. C'est bon? Ah, par contre, je sais plus où j'en suis, là. Non, je sais plus où j'en suis. Là. Bah, j'en ai un de faux, c'est le pêche-fraise. Ah oui, c'est bon, alors. Mais sinon, tous les autres, j'ai... Donc, il en reste encore 6. 6? Yes. Ok. Arrête de sentir, bah, tu rigoles ou quoi? Tu sentais comme un malade? Mais oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'en ai jamais bu de ma vie mais autant moi de... Mais moi aussi, j'en ai plein que j'ai mais pas tu bu. Bois que ça! Perfusion, non, Lipton!
J'en peux plus de lui. Oula. Celui-là, j'ai jamais bu, par exemple, tu vois. C'est le green tea menthe. Perdu. Quoi, perdu? Bah, perdu. Quoi? C'est pas ça. C'est quoi? C'est litchi jasmin. Sérieux? Oui. Ah ouais. Yes, mon gars. J'étais presque, parce que c'est... Yes, c'est égalité tea, pour le moment. Encore une erreur et tu as perdu. Bah non, t'as eu 6. 6 ou 7. Non mais arrête, c'est bon hein. Et tu as... T'as eu 6, ça. Non, non, j'ai droit encore. Là, faut plus que je me trompe, là. Ça sent la défaite. Plus droit de me tromper. Tu me donnes ? Ça sent la défaite. Oula. Ah non, c'est pas... Ouais, merde, c'était celui-là, en fait. La défaite. Ouais, c'est celui-là, la menthe. Green tea menthe. Ça, c'est sûr, par contre. Du coup, c'était citron menthe, ouais. Voilà, citron menthe. Bon. C'est... Ouais, ok, celui-là, c'est vraiment menthe, quoi, à fond, ouais. C'est ça sent la défaite. T'as l'impression de manger une feuille de menthe. T'as vu, c'est ça. C'est fou, hein. Ça a vraiment le goût de menthe, quoi. Si tu kiffes la menthe, t'es content. Oula. Peu de piège. Celui-là, je le reconnaîtrai parmi tous. Piège, celui-ci. C'est celui à la framboise. Ouais. Ça, c'est mon préféré. Elle est plus que deux. Le suspect, c'est à son comble. Franchement, celui à la framboise, c'est vraiment le plus bon de tous. C'est incroyable, non? Toi, c'est lequel ton préféré? Moi, j'en ai pas. J'aime bien tout, moi. Pêche? Pêche abricot. Pêche abricot. Ah oui, toi, t'aimes bien pêche abricot. Abricot, il adore, David. Ok, allez, courage. Plus que un après. Ou c'est dur? Je sais plus c'est quoi les autres goûts, quoi. Citron vert. Bah oui, c'est ça. Ouf! Bon bah c'est... Ouh, bon, c'est fini, restez pas d'autres parfums, je l'ai juste un durant les reins. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah. Donc, tu... Ouh, as 7 bonnes réponses et 2 erreurs. Ah, j'ai gagné! Ah, j'ai gagné, attends. Toi, je te l'ai accordé et tout, mais moi, il n'y a pas eu de middle, quoi. Tout s'est bien passé. J'ai gagné, là. Hein. Je sais pas. Là, j'ai gagné, là. Là, j'ai gagné. Bah écoute, je suis trop contente. J'en ai mis partout. Et bah bravo, c'est vrai ça. Et j'ai découvert plein de nouveaux parfums en plus, donc ça me fait super plaisir. Moi, je partirais plus sur l'égalité. Moi, je trouve que j'ai... Parce plus gagné. Parce qu'en plus, gagné, c'est plus dans l'apprendre les parfums et tout. Moi, je trouve que j'ai quand même été un petit peu meilleure. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui de nous deux, d'après vous, a gagné. Et puis voilà, sinon, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous aviez un parfum que vous aimeriez voir dans la gamme, etc. Et je voudrais aussi remercier du coup Pepsi & Co. qui m'a fourni les bouteilles. Donc, c'est pas du tout un partenariat. Je leur ai juste demandé de me fournir tout leur goût pour ne pas en oublier un. Donc, merci beaucoup, beaucoup à eux, c'est cool d'avoir des marques comme ça qui te fournissent les produits et qui sont très sympathiques. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo, ce nouveau challenge vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-moi en commentaire tout ce que je vous ai demandé. Sur ce, on vous laisse ici, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt.